Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo, je vais tester aujourd'hui Refracta OS. Alors Refracta OS est un ISO du 6 février 2019 et c'est un bureau XFCE. Donc on va aller regarder ceci. On va aller voir, on peut laisser ça là. Donc on a ici le menu démarrer qui est en haut, l'équivalent du menu démarrer de Windows. Hein. On retrouve, bon c'est en anglais mais on s'en fout. On retrouve les accessoires. Tous les accessoires sont rangés par défaut comme ceci. On retrouve développement, donc tout ce qui est développement sont rangés comme ça. Éducation, on a là. Graphique, on a tout ça. Internet, on a tout ça. Alors il y a Firefox SR, qui n'est pas tout à fait le même Firefox que ce que nous utilisons, qui n'est pas le Quantum, c'est un ESR, c'est pas le même. On a transmission, on a Xchat, on a des trucs pour le Wi-Fi. Là, on a quoi? On a Audacious, ouais, on a MPV Player, qui est quand même bien, WinFF, Office, Abby Word, ouais, ils auraient pu mettre LibreOffice quand même. Bon, il me semble, hein. Ils auraient pu mettre LibreOffice à la place d'Abby Word, ça aurait été plus intelligent. Synaptic SH, oui, bon, mais ça c'est Synaptic. Hein. Alors, dans le système, il y a BlishBlit à utiliser vraiment avec précaution, ça peut tout bousiller un PC, un OS, ça, BlishBlit. Vraiment très très grande précaution, parce que c'est un effaceur de l'ensemble des de tout ce que tu as. HTOP, ah, t'es, moi j'aime bien regarder HTOP. Allez, on va aller voir HTOP. On va tester HTOP. Ah, HTOP marche. Ouais, alors par contre, on sait pas grand-chose. Ouais, bon, c'est un HTOP de quelle date? About. About, about. XFCE 4.0.8.3 pour le terminal. Ouais, alors après, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir le Firefox. On va aller voir le Firefox SR. Internet. Firefox SR, qui n'est pas Quantum du reste, puisqu'il est ESR. Logique. Un truc que je n'ai pas regardé là, c'est ici. Ah, il ne me parle pas du micro là. Je sais pas si le son va être bon. C'est pas grave, on finit la vidéo. Si c'est foutu, on l'a foutu à la poubelle. On ira la mettre à la poubelle. On est sur du quoi là? Tu vois, ça c'est des trucs qu'on n'a pas sur Mac. Voilà, Mac et PC, tu l'as pas ça. Tu cliques quand tu es sur PC, tu cliques sur un truc, ça réagit. Et bien, c'est du morse. Tu l'as pas ça sur Mac et PC, ce genre de problème-là. Ça veut pas. Allez, on laisse tomber, ça veut pas, on s'en fout. Je clique. Bon, voilà. Système. XFCE Terminal, Brinder, qu'est-ce qu'il y a là? Oh là, il y a tout un tas de trucs. Il a lui-même son CPU qui sature. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Synaptique, tiens. Ouais, il va me demander. Synaptique qui va me demander un truc là. Distrotest, c'est pas toujours au point. Bon, ça marche pas. Eh bien, on va s'arrêter là. Allez, on va s'arrêter là. Ça veut plus.
tester. Là, goûte. On a vu. Ça marche pas. Ça bug. On s'en fout. Donc, c'était Refracta OS. Voilà. Si t'as aimé la vidéo, tu peux la liker. Tu peux aussi t'abonner à Marpécho 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.